Alléluia. Nous avons gloire à Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi il y en a qui viennent à l'église parce que c'est un devoir. Ne venez pas à l'église parce que c'est un devoir. Venez pour rencontrer les dieux. Venez pour que la révélation, la compréhension profonde de Jésus soit dans les cœurs. Quand vous avez cette disposition de cœur, Dieu fait des grandes choses. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. La louange est encore demain. Alléluia. Oh, reçois la paix maintenant. Reçois la paix dans ton cœur maintenant. Toi qui es venu avec des troubles, reçois la paix. Le Seigneur est vivant maintenant. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Je reçois des fois des appels. Hier, j'ai reçu un appel à 3h50. Des événements d'une personne des États-Unis. C'est pour. Et pour ça, c'est des gens à qui j'ai parlé il y a quelques années. Il ne faut pas toujours attendre qu'ils soient à côté du feu pour appeler. Alléluia. La dame, je l'ai rencontrée, je crois que tu as au Texas la dernière fois. Mais depuis là, elle n'a plus jamais fait signe. Maintenant, quand le symptôme revient, on appelle à 3h du matin. Alléluia. Je crois qu'il y a des pasteurs aussi au Texas, non? Alléluia. Alors, voyez un peu, la personne appelait et puis l'esprit me disait, avant qu'elle a quitté ce qu'elle doit dire, elle allait se repentir elle-même. Il dit, pendant que tu me parles, je me donne le psaume 36, verset 34, on va lire ça avec toi. Ton cœur n'est pas couvert d'avec Dieu, répands-toi. Avant de voir d'accuser l'autre, il faut que tu te regardes, c'est très important. La personne s'est répandue. Il dit, papa, j'ai écouté, je vais me répandre. La personne commence à se répandre. Voyez un peu, Dieu est bon. C'est pourquoi quand vous venez devant la face de Dieu, les chrétiens qui avancent, puis ceux qui disent, ah, moi, comme je suis là sans Dieu, je ne peux rien faire. Alors maintenant, comme je me suis donné à Dieu, Dieu fait de moi ce que tu voudras que je sois. Il va faire de toi. Alléluia. Quand Dieu me voit chanter aujourd'hui, si quelqu'un m'avait vu il y a 10 ans, il ne peut pas croire, il y a 15 ans, il ne peut pas croire que c'est moi. La première fois que j'étais dans une chorale, quand tout le monde allait dans le nord, moi j'allais au sud, et puis il y avait mon frère Simon qui m'a appelé pour télé, il dit, non, non, frère pour télé, c'est pas comme ça. Là, tu, voilà, ok, tu vas, là, tu vas à gauche, c'est pas comme ça. Vous voyez un peu. Il y a un temps pour un tout. Mais qui veut chercher Dieu, qui veut se réformer véritablement en Dieu, va avancer avec Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le mot trop tard, et c'est un non-sens pour la chrétienté. Le mot trop tard n'existe pas. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur, bon, mon cœur est en train de louer. Amen. Si j'étais juste à la maison avec mes enfants, on allait louer encore juste pendant 6-8 heures du temps. Il y a quelque chose qui se passe quand on loue Dieu. Alléluia. Autant avoir une vraie louange pendant 2 heures du temps après une prédication de 15 minutes, 20 minutes, que d'avoir une longue prédication où les gens sont fatigués et regardent à gauche à droite. Parce que quand la louange est là, la gloire est même, la prédication est courte et va toucher les cœurs directement. Alléluia. Dieu est bon. Amen. N'oubliez pas ces 3 mois. C'est les 3 mois pour ceux qui sont allés. Les 3 mois ici, n'échouez pas. Ce n'est pas aussi le temps d'aller regarder ailleurs, là. Restez attachés à Dieu. Les 3 mois. Jusqu'au mois de décembre. Voyez ouais, les choses que Dieu va faire dans la vie. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Nous continuons avec l'enseignement de Gédéon pour le parcours de l'appel des dieux. Alléluia. Et on s'était arrêté dimanche passé, je ne vais pas beaucoup revenir. Amen. Vous connaissez que Gédéon, c'était un boulanger. Amen. Il faisait le pain pour cacher le pain parce qu'ils étaient entourés par les ennemis d'Israël. Et puis à un moment, l'ange lui a apparu et dit, vaillant héros, Dieu est avec toi. Et Gédéon a dit, ah, si Dieu est avec moi, pourquoi toutes ces choses me sont-elles arrivées? Alléluia. On a vu ça dans l'enseignement que Dieu que. Gédéon n'était pas conscient de la présence de Dieu. Amen. Quand tu n'es pas conscient que Dieu est en toi, tu feras des choses qui vont te faire croire que Dieu est loin. Quand tu es vraiment conscient que Dieu est en toi, sur toi, tu craindras Dieu véritablement. Et Gédéon n'était pas conscient que Dieu était présent. Et puis Dieu lui ajoute, va avec la force qui a délivré Israël. Il dit, mais qui est-ce que je suis? Ma famille est la plus petite tribu d'Israël et moi je suis le plus jeune. Qu'est-ce que je veux faire? Et Dieu en force à moi, va dans la maison de ton père, détruis l'idole qui est là, la maison de ta famille. C'est comme si Dieu augmentait la pression sur les jeunes hommes.
Alléluia. Mais il avait obéi à tout ça. Maintenant, il est arrivé à sa mission que nous avons vu dimanche passé. Et Dieu a donné cette stratégie. Comment, lui qui est venu comme libérateur d'Israël, comment il va faire pour gagner son combat? Cet enseignement nous concerne aujourd'hui. Comment nous pouvons gagner notre perception par rapport à Dieu va changer, par rapport à nous-mêmes va changer. Comment nous pouvons gagner le combat avec Dieu? Alléluia. C'est pourquoi nous avons vu dimanche, dimanche passé, les stratégies de Dieu pour Gédéon dans son combat. Quelles sont les stratégies que Dieu a données? Alléluia. La première chose que nous avons vu dans Juges 6, verset 34, Gédéon fut revêtu de l'esprit de l'Éternel sur la trompette et Abiézer fut compris pour marcher à sa suite. Il fut revêtu de l'esprit de l'Éternel. Pour dire que tu ne peux pas gagner un combat spirituel sans le Saint-Esprit. Amen. Tout le monde qui a reçu Jésus-Christ comme un Seigneur Sauveur, tu as le Saint-Esprit en toi. Peut-être tu ne le comprends pas encore, mais il est là. Il te parle, il te guide. Quand tu vas sur un chemin qui n'est pas correct, il te les approuve. Il est là pour t'accompagner dans la marche. Alléluia. Amen. C'est pourquoi faites attention. L'ennemi, quand vous êtes sur votre lancée, peut même vous fatiguer par les invitations et les tempêtes des gens qui vont vous croire que c'est un bon chemin. Vous allez là-bas, c'est vraiment très difficile. J'ai passé 3 jours de prière pour aller très fort. Il faut vraiment faire, on va avoir attention. Alléluia. Il faut toujours discerner dans chaque chose, que ce soit une invitation ou quoi que ce soit. Demandez Saint-Esprit, peut-être que j'aille ou pas. Parce qu'il est là, il est devenu comme la personne qui va t'accompagner partout où tu vas aller. Il est là. Le plus simple, moi je crois, ceux qui viennent dans le Seigneur, nouvellement, ont plus d'acuité que les vieux chrétiens qui n'ont pas bien écouté Dieu. Parce que tu peux sentir directement que ça je ne veux pas. Ça, je dois aller. Et il te conduit. Mais lui, il fut revêtu du Saint-Esprit. Donc, il était rempli de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Dans le terme de Dieu, on va dire qu'il était rempli, du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alors, on a vu dimanche passé, c'était la première stratégie que Dieu avait donnée à Gédéon. Au verset Juge 7. Alors, on a Juge 7. Gloire à Jésus-Christ. Mon Dieu, mon cœur loue toujours. Gloire à Jésus-Christ, Seigneur. J'espère que je n'ai pas désobéi. Alléluia. Prends pitié de moi, mon Dieu. Amen. Jéroboam, qui est Gédéon, et tout le peuple qui est avec lui, s'est levé de bon matin, campé près de la source d'Aaron. Les camps des mendiants étaient au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée. Et l'Éternel dit à Gédéon, tout le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre les mendiants en tes mains. Il pourrait tirer gloire contre moi, dire que c'est ma main qui m'a délivré. Alléluia. Les principes que nous avons vus dimanche passé, que Dieu fait beaucoup avec un peu. Il a dit que le peuple qui était avec lui était trop nombreux. 32 000 devant une multitude qui était comme, qu'on ne pouvait pas innombrer. Innombrables, qui étaient comme les sauterelles dans la plage. L'ennemi était innombrable. Il n'avait que 32 000. Il dit que ce n'est pas assez, c'est pas beaucoup. Ils vont croire que eux, la victoire est venue d'eux. Donc, Dieu, nous avons vu le principe dimanche parce que Dieu fait beaucoup avec un peu. Alléluia. Amen. Le deuxième principe, nous avons vu que Oshimarakaya, Dieu fera avec ce qu'il y a dans ta main. Alléluia. Quand vous allez voir la suite de l'histoire, vous allez voir que Gédéon a gagné le combat avec quoi? Avec les cruches et avec les cris. Qui connaît les cruches? Quand il y avait une cruche. Quand il y a des dans les poteries, hein? On fait des cruches là. Ici, c'est un peu utilisé comme des vases, des pots de fleurs qu'on met à l'extérieur. En Afrique, c'est bien fermé, on met de l'eau dedans au Moyen-Orient. Tu peux boire de l'eau fraîche. C'est le frigo des villages africains. Et ça garde de l'eau très très fraîche. Alors, il a gagné ce combat-là avec, on va voir ça avec des cruches et des cris. Mais parce qu'il avait obéi à chaque étape à ce que Dieu lui avait assigné de faire. Alléluia! Amen. On a vu ça, on a vu comment David a gagné son combat avec simplement une pierre et une lance et pierre. On a vu que Samson a gagné son combat avec une mâchoire d'âne. Alors qu'il était livré à l'ennemi à côté de la mâchoire d'âne. Ce qu'il avait dans sa main, c'est ce qu'il a utilisé pour gagner son combat. Alléluia. Aujourd'hui, il y a quelque chose en toi que l'ennemi ne peut pas prendre en toi qui est le Saint-Esprit est là. Amen. Par la force de cette vie, tu peux gagner n'importe quel combat. Alors que tu te sens faible. Alors, c'est ça comme anéanti. Comme hier, je sentais que la dépression arrivait dans la vie des gens hier. C'était lourd. Je comprends. C'est l'état où les gens font des incantations diaboliques. Halloween, les gens croient que c'est juste des blagues. Ce n'est pas de la blague. Dans les ténèbres, ils font beaucoup de choses. Le
mois d'octobre, ce qui fait le ciel commun alourdi. Mais les chrétiens, au lieu d'être en prière, il y a les églises même qui font l'Halloween. Vous voyez, ils font des sucreries à l'école. C'est l'ignorance totale. Mon peuple, de tout pas lui manquer la connaissance. Les diables essaient de prendre l'avantage à ces temps ici. Mais l'église de Dieu qui est vivant prie pour que le ciel soit éclairci. C'est pourquoi vous pouvez sentir la douleur cette semaine ici. Soyez en prière. Ne soyez pas distrait. C'est pourquoi ce n'est pas étonnant qu'au mois d'octobre, quand l'automne commence, les dépressions aussi commencent. Les gens qui ont des dépressions saisonnières, ça commence. Et en psychiatrie, les psychologues, vous avez beaucoup de clients. Parce que l'ennemi vient avec comme pour étouffer. Alléluia. Alors, c'est des choses qu'il faut comprendre spirituellement. Alléluia. Alors, les chrétiens, quand ils sentent cette oppression, toi, tu réagis par la prière. Tu ne laisses pas la chair venir ou la fatigue venir te noyer. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Le dernier principe que nous avons vu et que nous allons continuer aujourd'hui, c'est Dieu ne partage pas sa gloire. Il a dit, le peuple est trop nombreux. Sinon, il va dire, c'est moi-même qui m'ai acquis cette victoire. Je suis trop intelligent. C'est moi-même qui m'ai acquis ça. À un moment, tu vas être coincé dans la vie, tu auras besoin de Dieu. Vous voyez pourquoi il y a beaucoup de gens très haut placés qui se suicident? Parce qu'ils ont compté tellement sur eux-mêmes. Dans la vie, si tu comptes sur toi-même, tu vas avoir des problèmes. C'est lui qui a appris, les familles qui ont appris à compter sur Dieu, même s'ils passent des moments difficiles dans la vie, la main de Dieu sera sur eux et ils verront qu'ils vont s'en sortir. Si tu as compté sur tes biens, les jours les biens te sont ravis. Amen. Je dois connaître ta santé. Le jour de la santé est parti, tu fais quoi? Oh, il faut compter sur l'auteur de toutes ces choses qui est Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alors, on a vu ça dimanche passé. Alors, je disais de. J'ai terminé avec Actes chapitre 14. Que, vous allez voir que même dans les choses spirituelles, quand Dieu te donne les dons, quand tu vas prier pour les gens, ou quand tu vas chanter, les gens sont libérés, sont dans la joie. Garde-toi d'avoir un peu d'orgueil en toi. On a vu dans Actes chapitre 14, Paul et Silas ont guéri quelqu'un. Amen. Et puis, toute la ville est venue vers cette pour comme les offrir un sacrifice. C'était des païens, ils croyaient qu'ils étaient des dieux. Mais ils ont déchiré leurs habits. Ils ont dit non, 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 nous ne sommes pas des dieux. Il y a un Dieu qu'on va vous expliquer qui il est exactement. Donnez toujours gloire à Dieu. C'est pourquoi, dimanche, c'est un dimanche de témoignage. Chacun de vous, je dois témoigner. Amen. Les choses que Dieu a fait. Parce que si tu ne témoignes pas, ce n'est pas bon. Il faut donner gloire à Dieu dans les peu de choses que Dieu a fait dans ta vie. Tu viens, tu dis, je vais remercier Dieu pour ce qu'il m'a fait à la vie. Voilà la différence qu'il fait dans ma vie maintenant. C'est extrêmement important. Ça encourage ceux qui sont un peu fatigués. Et toi-même, ça t'envoie devant Dieu. Et c'est une arme spirituelle. La Bible dit, nous avons vaincu l'ennemi à cause du sang de l'agneau et la parole de notre témoignage. Quand tu témoignes, l'ennemi est anéanti. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et allons un peu dans Ézéchiel 28. Je vais vous montrer ce que ça coûte de chercher à prendre la gloire de Dieu. Alléluia. Et amen. Dieu a dit à Gédéon, le peuple est trop nombreux afin qu'il ne dise pas que je me suis acquis ces choses-là par moi-même. C'est pour les gens qui ignorent Dieu quand la catastrophe arrive, ils ne savent pas où mettre la tête. Mais les psychologues, vous voyez que quand il y a eu Catherine aux États-Unis, les psychologues aussi étaient déprimés. Maintenant, qui va aider qui? Allez, si le psychiatre est déprimé aussi. Amen. Je me rappelle quand Dieu a visité Frère Germain, que je suis allé prier, on croyait qu'il était fou. Je suis allé prier pour lui. Il m'a raconté d'aller voir le psychiatre. Il dit psychiatre, tu sais que toi, cette année, tu devais cesser de travailler à cause de ce que tu as fait l'année passée. Et puis le psychiatre a commencé à trembler. Il a écrit sur le dossier rapidement délire religieux. Il a libéré. Alléluia. Amen.